ce matin. Ralph, tiens-toi! Kevin est pareil, il n'arrête pas. Ah bon? Ah, il ne fait que des bêtises. On ne peut pas le laisser 5 minutes tout seul. Tu sais ce qu'il vient de faire? Il est allé dans la galerie Florentine et il a maculé de ketchup le visage de l'enfant chien sur le tableau de Raphaël. Kevin! Remets ce cidre de là-bas où tu l'as trouvé! S'il te plaît! Je te comprends. On revient de l'entrée et Ralph a pulvérisé toutes les sculptures danoises d'art contemporain. Kevin est pareil. Il suffit de lui montrer une exposition de poterie de Dresde du début du XVIIIe siècle pour qu'il devienne fou furieux. Tout à l'heure, on regardait tranquillement les œuvres de l'école maniériste flamande de la Renaissance. Ce petit diable a sorti sa bombe de peinture noire et a aspergé la femme à sa fenêtre de vermeil. C'est toujours moins grave que de cracher, mais quand même! Ah, pour ça, je suis tranquille. Kevin sait que si d'aventure il se permet de cracher sur un œuvre d'art, jamais plus je ne l'emmènerai au lit. Ralph ne peut pas s'empêcher de cracher. Et tu sais, il peut attendre en même temps qu'à plus de 10 mètres. Mais tu sais que c'est mal, hein, Ralph? Tu sais que c'est mal de cracher? Ralph! Ralph! Arrête immédiatement de mâcher ce tonnerre, s'il te plaît! Oh! Regarde ce que tu as fait au guerrier valeureux de tonnerre! Il n'y a plus rien à en faire mâcher. Il est bon pour la poubelle. Oh, tu crois? Je le sais. Kevin a mangé la plupart des peintures paysagistes du début du 19e siècle. Quand tu peux en récupérer un,